la qualité de coordinateur des cours de vacances, donc je vais donc me prononcer sur quelques mots. Bon, effectivement, nous avons commencé les cours de vacances le 18 septembre, le 18 août, et nous avons clôturé le 18 septembre, donc un mois. Bon, on avait à l'élémentaire 117 élèves, 60 filles et 57 garçons. Au secondaire, on avait 126, 75 filles et 51 garçons, sur un total de 243, avec 23 intervenants. Bon, comme je n'ai pas préparé de discours, donc vous me permettrez de m'attarder un peu sur le choix porté sur le parrain. En l'occurrence, Aline Diop, DJ. Lorsqu'on l'avait saisi, il n'a pas hésité. Il nous a dit, faites-nous votre expression de besoin. Le président de CASE et moi, nous nous sommes concertés. Après avoir donc arrêté l'expression de besoin, on lui a envoyé par WhatsApp et il n'a pas hésité, il a validé. Non seulement il a validé, mais aussi il a répondu plus que ce que nous attendons de lui. Hein? Si vous voyez, la salle est archi-comble. C'est lui qui s'est chargé de gérer tout ce qui est frais d'organisation. Donc vraiment, c'est un grand moucher, un moucher qu'il faut vraiment féliciter et remercier infiniment. Et j'en profite aussi de l'occasion pour lui souhaiter plein succès. Parce que hier, c'était l'Assemblée générale de l'AC Dara. Donc, c'est lui donc qui gère le président. C'est lui le président donc de l'AC Dara. Donc, c'est le moment de le féliciter. Bon, féliciter aussi et remercier très chaleureusement le président de CASE, en l'occurrence Ousseynou Faye, qui est un ancien élève et qui est mon président de CASE. C'est lui qui a porté sur ma modeste personne pour coordonner les activités. Bon, je ne saurais aussi terminer sans pour autant remercier chaleureusement les intervenants qui se sont donnés corps et âme. Ils ont sacrifié leurs vacances. Ils sont venus pour passer des vacances, mais ils ont fait fi de ça, sacrifier leurs vacances pour l'intérêt des jeunes de Dara. Vraiment, ils ont donné des cours sans faille. Donc, c'est le lieu de les remercier infiniment. Pour faire un petit commentaire, et je pense que c'est nécessaire. Monsieur le maire de la commune de Dara, d'où son représentant, fit mon maire, M. Babali Sandaou. Je me rappelle en 1997, quand il nous quittait, j'ai versé de chaudes larmes par passion. Pourquoi? Parce que j'avais de l'affection à son égard. C'était quelqu'un non seulement qui était un maître, mais qui était une référence pour nous. Donc merci, M. Babali Sendeo. Monsieur le représentant de l'IF de Linguère, monsieur le parrain de la cérémonie, monsieur le président de la zone, monsieur le président du CODEC, monsieur le coordinateur des cours de vacances. Là aussi, je vais m'arrêter. Parce que c'est dans cette même année 97 qu'il m'avait en classe de sème un lit aussi, M. Ali Ndiaye. Non seulement c'était un enseignant, mais c'était un modèle. Parce que l'élève, les psychologues, ils nous disent que l'activité principale de l'enfant, c'est l'imitation. Donc quand il imite de quelqu'un qui n'est pas un modèle, c'est très dangereux. Heureusement, nous, quand on était à l'école, nous avions des modèles devant nous. Donc, je demande à ce que tout le monde applaudisse M. Ali Ndiaye. Chers intervenants, là aussi, c'est très important de rappeler que c'est des enseignants, des soldats sans armes, qui ont 3 mois de vacances, mais qui se sacrifient, qui remuent ciel et terre, juste pour aider nos jeunes enfants, pour aider nos petits frères. Donc là, ils méritent aussi d'être acclamés, les intervenants. Chers élèves, honorables invités, il m'est tout d'abord permis de m'acquitter à un simple agréable devoir, celui de dire bonjour, bonsoir à toute l'assistance. C'est la première fois en 3 éditions
que j'ai décidé de prononcer un discours écrit, ceci pour me permettre de dire avec exactitude, avec précision, à quel point je suis comblé. Monsieur le président de la zone B, monsieur le président de la zone A, monsieur le président de la CAS, monsieur le coordonnateur, madame la représentante des parents d'élèves, chers amis, chers invités, messieurs les représentants de M. Maram Sall, messieurs les représentants de l'honorable député Madame Guissé, chers tous, chacun en son rang et grade, je vous remercie d'être là. La cérémonie qui nous réunit consacre l'excellence. L'excellence manifestée au cours des semaines de travail ardu durant les vacances scolaires. L'année dernière, nous étions ici dans cette salle pour justement célébrer cette excellence. Cette année, on est encore là. Cela montre toute l'importance que nous accordons à l'éducation. Chers élèves, je vous félicite. Vous êtes ma satisfaction, vous êtes ma fierté. Vous êtes la satisfaction et la fierté de vos parents respectifs. Continuez sur cette lancée. Ne vous y détournez pas. C'est la voie de salut qui vous garantit un avenir meilleur. C'était durant les vacances scolaires. Vous auriez dû mener vos activités de vacances, vous reposer. Vous avez décidé de consacrer une partie de votre temps au repos, indispensable sur le plan intellectuel, mais une autre partie, soit pour réviser vos cours, soit pour anticiper les cours de l'année qui va bientôt s'ouvrir. Vous avez été 45 à occuper les rangs allant du premier au troisième. Cela montre votre abnégation, mais cela montre également l'amour que vous avez pour l'école. Je peux vous garantir que c'est la seule voie de salut. J'ai été agréablement surpris de voir que parmi les lauréats, une bonne partie a été occupée par les filles. Cela nous réconforte. Cela nous permet effectivement de dire que le programme d'éducation des filles, qui était un enjeu national majeur, aujourd'hui est consacré, aujourd'hui connaît un excellent succès. Sur ce, je remercie le corps enseignant qui a été justement la cheville ouvrière de tout ce succès.
chers enseignants, chers jeunes frères étudiants, vous avez justement permis aujourd'hui à nos fils, à nos filles, à nos neveux, à nos nièces de faire ces cours indispensables durant l'année scolaire. Vous l'avez fait dans le bénévolat, dans un esprit volontariste, sans rémunération aucune, sans intérêt particulier. Vous l'avez fait pour la jeunesse. Je vous en félicite et vous en remercie. C'est l'occasion aussi de remercier le mouvement Nawetan, représenté ici par les présidents de la zone A et B. Vous avez compris qu'effectivement, le mouvement Nawetan ne peut plus être cantonné à des activités de football. Vous l'avez si bien compris qu'aujourd'hui, l'activité Nawetan phare reste et demeure les cours de vacances. Je vous en remercie et vous félicite. Et vous encourage à persévérer, mais également vous garantit mon soutien spontané, permanent, en toutes circonstances, quel que soit le contexte, je serai là avec vous. L'année dernière, j'avais pris l'engagement ici, dans cette salle. Vous m'aviez justement manifesté un besoin opérationnel qui consistait à avoir au minimum une imprimante et un ordinateur. J'avais pris ici l'engagement. Je prends aujourd'hui également solennellement un engagement pour vous dire que n'hésitez pas, quand il s'agit d'éducation, je m'engage et je m'engagerai toujours. Je remercie tout le monde. Il fait tard. Permettez-moi juste de prononcer deux mots en wolof. Mbolomi mang len di geureum di len sante. Di geureum kilifa yi fi tew yep. Fatewuma ken. Di sante zone A ak zone B. Ndax nak li bu amé ñom la. Manon na am yene jappale xalé yi ci njang mi té duma am occasion pour def ko ñom ñu mayma occasion bobu mayon mako daw mayat mako ren té japp na né fi ci daara du man rek ma bëgg dimbalé xalé yi jang kon dafa melni sax dañ ma bëral loxo ma ngi leen di gëreem ci loolu. Di len wax rek ne ñangu xalé yi mom moma ñor ndax nak am la luma ci xam xalé yi di len wax ne tay lepp lo xamne am nako ci aduna xalat nako ci aduna sama ñang moma ko may école magen ñay gi la jangé bima dalé jang ba nima amé liggéey kenn musuma fayal ma jang école publique la jangé tay bu yalla défé diplôme yi nga xamné bëggon nako am ci jang yépp ma am ko ñu lim ko légui téranga aussi jima bëggon yalla maymako bay mo ñëw tay di leen jappalé limi woné moy jang rek woor séni papa séni yaay ñi leen yoré séni mam man nañ ci waslu ak dé wayé li ci ëpp nak yéna ko wara def fami bari na télé yi bari na internet bi facebook whatsapp bari na waye du lolu ngeen soxla li ngeen soxla moy ngeen jang nax nak sen papa yi ak sen yaay yi li warlo won ak yeen def nañ ko ba mat seuk yor len ba ngeen mag ñu yobulen école di len topoto
Le hasard n'existe pas. En tout cas, moi, j'y crois pas. Tay bu yalla defé nga nek fi représenté fi monsieur le maire dafa fekk né dans cette commune là japp na né ñi gënon am position pour taxaw fi parler au nom de l'éducation yow la kon en tant que conseiller municipal ma ngi lay féliciter de la encourager nga continuer ci lolu yaangi liggéey dans le cadre de la commune qui voit l'éducation, je vous encourage de le remercier. Je vous remercie mouvement APD, Mme Sall Djiteko. Je vous remercie de ce que vous avez fait. Je vous également l'honorable député de sama tante de sama yaay ndey fatou gisse madame ka li nga wax deug la falañu ko rek mu faté askan wi limu am mu neew mu bari mi ngi ko bok ak nit ñi te ñepp xam nañ salaire député mënul lénali waye yu bari da ko jombal bopam gedd ko pour askan wi ma ngi koy gëreum diko sante di gëreum sama xarit yek sama mak yek sama nijaay yi nga xam nañ ma leen yëkëti di gëreum aussi jigéen ñima and ak ñumay jappalé sur le plan politique ñi ngi na lé tok xamé na leen bu baaxa baaxa baax ma leen di gëreum li ngeen ma manal fu mo joggé ngeen jog luma nekk ngeen nekk ci fess na sama xol lool wa salaam jërë ngeen jëf.